sur mute, hein. J'ai appuyé sur le... Ok, on a... On attend... C'est le bon. Il est branché, tout va bien. On y va alors. Bonsoir, c'est le vrai. Bonsoir. Bienvenue au Méliès pour cette inauguration du festival Vox. J'accueille tout de suite Paul Duboucher, la directrice éditoriale du livre audio chez Gallimard et la présidente de Vox. Vous pouvez l'applaudir. Et Jean-Marie Ozanne, libraire et éditeur. Folie d'encre. Bonsoir à tous. Donc Jean-Marie et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition du Festival Vox. Deuxième édition parce que la première a eu lieu donc en 2019 et a dû être repoussée pour des raisons sanitaires que vous pouvez imaginer trois fois. Elle a lieu aujourd'hui et après beaucoup d'incertitudes aussi, non seulement sur les questions de date, mais les questions aussi de support, de modalité. Nous avons finalement opté ce soir pour une formule hybride qui mêle à la fois du présentiel et du virtuel, du numérique. Le présentiel, ça va être ce soir et demain soir. Deux soirées, donc la soirée de ce soir avec Fab Caro et Benjamin Laverne, et la projection du film et l'échange que nous aurons avec eux, et la soirée de demain soir au Théâtre Berthelot avec la chanteuse Lio et des poèmes de Clarice Lispector et du poète Caymmi, brésilien Caymmi. Le troisième événement présentiel aura lieu donc lundi prochain, le 8 novembre. C'est la journée professionnelle qui, elle, aura lieu à la médiathèque Robert Desnos. Je crois que je vais pouvoir passer la parole à mon ami Jean-Marie. Alors, tu as dit que Vox avait 2 ans. Oui, c'est vrai, dans une sorte de nouvelle formule. Mais Vox, ça existe quand même depuis longtemps, depuis 2001. En fait, Vox, c'est un peu l'enfant des expériences de la librairie Folie d'encre. Recevoir un auteur, c'est quelque chose dans une librairie. Et la plupart du temps, dans les années 80, l'auteur restait derrière sa table. Et globalement, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc, dès la fin des années 80... Nous avons imaginé faire des lectures et systématiquement, depuis, lorsqu'un auteur vient, nous faisons des lectures. Et puis à un moment, on s'est dit, mais pourquoi on ne sortirait pas de la librairie? Et on a commencé à faire des spectacles de lecture. Je vais même vous raconter une anecdote toute simple. Fin des années 80, on a fait une lecture au Théâtre Berthelot de Montreuil. On a fait une lecture avec que des auteurs russes. Et il y avait une jeune fille formidable, une actrice exceptionnelle, qui était allongée sur un sofa, qui avait une voix, comment dire, peut-être une voix à la FIP. Et je lui avais donné des textes de Khrouchtchev, de Staline à dire. Mais elle les disait avec une telle douceur que c'était vraiment paradoxal. C'était très, très étonnant. Les nouvelles étaient splendides. Nous avions même réussi à un buffet tout rouge avec du pain en forme de faucille et de marteau. Eh bien, je vais vous dire très honnêtement, pendant 10 ans, je crois peut-être 20 ans, nous avons été interdits du Berthelot. Et c'était ça, c'est ça l'histoire. Et puis maintenant, eh bien, nous n'arrêtons pas, bien évidemment, de continuer à faire des lectures dans cette formidable librairie dont s'occupe maintenant Amanda Spiegel. Voilà. Et pourquoi pas à un moment faire aller même dans la rue. Et Vox, c'est ça. C'est en 2001, confronter les mots qui vont se répercuter sur le béton
Et bien évidemment, la pandémie a tout mis en suspens. Et bien évidemment, cette année, il n'y aura pas de murs qui vont recevoir des mots. Et il n'y aura pas ce va-et-vient. Alors, dès 2003, nous nous sommes dit que, bien évidemment, faire un festival de lecture à voix haute, c'était formidable. Mais si on y mettait un salon du livre audio, cela fut fait. Il était tout petit, même un peu ridicule. C'était même peut-être un bide. Mais c'était un début. Et c'est comme ça que nous arrivons maintenant avec cette idée d'un Vox qui est à la fois un Vox festival de lecture à voix haute, mais aussi Vox salon du livre audio. Nous espérons que dans les années prochaines, nous pourrons le reproduire pleinement. Tu as introduit le livre audio en faisant le rapport évident maintenant entre la lecture à voix haute et le livre audio. Qu'est-ce que c'est le livre audio ? Eh bien, le livre audio, c'est tout ce qui, à partir du livre, fait son. C'est, si vous voulez, c'est l'extrapolation sonore dans toutes ses dimensions, évidemment hors visuel, de l'objet livre, sous une forme, une voix ou plusieurs, avec ou sans musique, avec ou sans bruitage, avec ou sans mise en scène sonore, sous forme d'un objet matériel ou en version dématérialisée, c'est donc l'extrapolation de l'objet livre. Or, le livre reste le plus puissant vecteur de la culture. Et la voix, elle, la voix, c'est ce qui fait le lien entre les êtres humains. C'est dire que le livre oralisé est un élément clé de la diffusion de la culture. Oui, tu as dit ou tu as laissé passer l'idée, en tout cas, que tout ce qui, à partir du livre, fait son. On pourrait ajouter fait son et fait sens. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. En cette période quasi-électorale, je vous propose de voxer pour Vox. C'est peut-être ce qui donnera tout simplement du plaisir. Donc le livre audio, c'est un objet littéraire à part entière. J'aime bien cette expression parce que c'est vraiment un objet littéraire. Ce n'est pas une alternative au livre, c'est autre chose. Et c'est un objet littéraire qui est accessible à tous les publics, adultes et jeunesse, et qui n'est pas limité, loin s'en faut, au seul public auquel il a été associé à tort pendant longtemps, à savoir les publics mal ou non-voyants ou les personnes âgées. Il est vraiment accessible à tous les publics. Il a été, en fait, il a une histoire aussi. Là, Jean-Marie a parlé de l'histoire de la rue. Le livre audio, il a été florissant depuis très longtemps, depuis de très nombreuses années, depuis plus de 3 décennies, dans les pays anglo-saxons et en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis et en Allemagne. En France, c'est plus récent pour de multiples raisons sociétales, mais depuis une vingtaine d'années, un certain nombre d'éditeurs dédiés se sont mis au livre audio et le livre audio explose littéralement depuis une petite dizaine d'années. Avec, je crois, dans ce développement qui maintenant est continu depuis le milieu des années, je dirais 2015 ou 2016, il y a vraiment, ça s'inscrit vraiment dans une évolution parallèle à la fois de la technologie et des pratiques sociétales. Je pense à la généralisation des pratiques dématérialisées, les formidables mobilités des sociétés, mais également, je pense, un besoin assez fondamental, assez profond, très intime de retour aux sources. La voix, c'est vraiment l'intime. Et puisqu'on parle de retour aux sources, je pense que l'expérience que nous venons de vivre avec les confinements, à laquelle Jean-Marie a fait allusion, a été vraiment a conforté la puissance de la voix dans ces moments de vérité, de retour sur soi. Donc, je crois qu'on peut vraiment, je peux vraiment te passer la parole. Alors, on pourrait se dire que le festival Vox a pour vocation de faire entendre pour tous.
et partout. Il a pour vocation de rendre visible ce maillon devenu majeur de la chaîne du livre. De montrer la diversité des contenus et des formes du livre audio. Et d'en mettre en évidence les vertus culturelles, pédagogiques et pratiques. On pourrait dire en conclusion que la voix humaine rend sa voix au livre. Elle en exhume le filigrane et la part la plus secrète. Elle est, à ce titre, et le livre audio est lui aussi, définitivement un exhausteur de puissance. Bravo. Nous voulons remercier ce soir, avant l'ouverture de cette soirée, la mairie de Montreuil, le cinéma Le Méliès, le théâtre Berthelot et la médiathèque Robert Desnos. Nous voulons remercier aussi les partenaires et subventionneurs, le CNL, la DRAC, la SCPP, la SPPF, la SOFIA, la Fondation Yann Michalski, la SELF, sans lesquels tout cela n'aurait pas été possible, mais aussi les éditions Gallimard, Audiolib et Lidzi, les éditeurs de la commission Livre Audio du SNE, la compagnie Les Tréteaux de France. Alors, Christine, Mathilde, Coraline, Isabelle, Pascal, Véronique, Adélaïde, Nancy, Cédric, Julienne, Joséphine, Aube, Amanda, Noam. Paul, Noam, Jérémy, plein d'autres qui me pardonneront, bien évidemment, de les oublier, ainsi qu'à tous les lecteurs, bien évidemment, pour les lectures à voix haute, mais aussi à tous les écouteurs. Et merci à Jean-Marie. Merci. Alors, le livre audio est une œuvre, donc, on l'a dit. Mais une œuvre suppose en amont un créateur, un auteur. Et en l'occurrence, l'auteur que nous accueillons ce soir, s'il veut bien me rejoindre, est Fab Caro, auteur multifacette s'il en est, et avec qui nous sommes très heureux de partager ce moment. Nous accueillons aussi Benjamin Laverne, le merveilleux interprète du rôle-titre du film que vous allez voir tout à l'heure. Donc, on ne présente plus Fab Caro, mais selon l'expression consacrée, je vais le présenter un tout petit peu quand même. Auteur multifacette, effectivement, bédéiste, scénariste, romancier, musicien, tu m'as bien précisé amateur, tu ne voulais pas, mais moi je le redis quand même parce que je pense que la pratique amateur c'est très 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 important, c'est pas du tout restrictif. Bédéiste, tu as commencé à séduire les bédéphiles par un trait grinçant qui est décalé, architendre, qui moi qui ne suis pas une liseuse de BD me fait complètement craquer. Je marche à 300% alors que je sortie de Lucky Luke et Claire Bretéché, je suis très 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 peu cultivée là, et puis j'accroche pas. Quand je lis Zai 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 ou Moon River, je crois que c'est ton dernier opus, non ? C'est le dernier. Je suis morte de rire. Zai Zai Zai, justement, je crois que c'est l'ouvrage qui t'a fait rentrer un peu dans la cour des grands. Ouais, c'est 2015. Avant ça, j'avais un public assez confidentiel. Tu as quand même une trentaine d'albums. Je crois que j'en ai compté 32. Un petit peu plus, mais beaucoup trop de toute façon. Mais ça a basculé à Zai Zai. Donc on ne sait pas pourquoi il y a ce truc-là qui trouve un public. Moi, j'avais un public assez fidèle, mais très restreint. Et puis à partir de Zai Zai, ça s'est élargi. On ne sait pas trop pourquoi. C'est quand même impressionnant. C'est une pléiade de prix. Hein, prix Landerneau BD 2015. Grand prix de la critique ACBD 2016. Prix Ouest France Quai des Bulles. 2016, prix SNCF du Polar, prix des libraires BD 2016, et j'en passe, il y en a beaucoup d'autres. Fin 2018, je vois que j'ai noté passage au roman, mais entre-temps, j'ai vu que tu en avais déjà écrit un. Sauf que le discours, c'est celui qui t'a fait vraiment connaître, non ? Oui, j'avais écrit mon tout premier roman, c'est Figurec, qui est sorti en 2005 ou 2006, et qui était passé assez inaperçu à l'époque. Et puis voilà,
le temps a passé, puis je me suis remis au roman avec le discours. Et le discours n'est pas passé inaperçu. Le discours, ouais. N'est pas passé inaperçu du tout. Personnellement, je l'ai lu. J'ai lu les épreuves du discours que m'avait confié mon ami et collègue et ton éditeur, je crois, Thierry Laroche, dans le train Paris-Rennes. Et j'étais tellement pliée de rire que je me suis aperçue au bout d'un moment que tous les voyageurs me regardaient d'un air interloqué, un peu suspicieux et en fait vraiment amusé. Et j'ai attendu avec impatience le prochain, Broadway, en me disant que bon, souvent quand on attend avec impatience l'œuvre d'après, on est un peu déçu, sauf que là, pas du tout. C'était presque... J'étais encore dans un endroit public et j'étais encore morte de rire. Donc voilà, merci. Je crois que c'est vraiment impossible de ne pas rire à haute voix en lisant, les livres de Fab Caro. Je crois que les grandes œuvres, celles qui sont amenées à durer, je parle des grandes œuvres, c'est vraiment celles qui appellent l'interprétation. Je crois qu'elles trouvent leur éclat dans des voix et des regards différents. Et en l'occurrence, je pense que c'est vraiment... même ce qui caractérise un peu l'universalité d'une œuvre, c'est cette capacité à être réinvesti par des créateurs d'horizons différents. C'est ce qui s'est passé avec ton travail, puisque Zaï Zaï Zaï, je parle sous ton contrôle, mais a donné lieu à un feuilleton radiophonique, à de multiples lectures avec ou sans musique. J'ai même vu une lecture à la Maison de la Poésie avec Blanche Gardin et... Parce qu'elle sangle. Ah, ça, c'était Broadway, peut-être. Ça, c'est autre chose. Moi-même, je m'y perds. Non, Zaï Zaï, voilà. Ça a été adapté par plusieurs compagnies en pièces de théâtre. Voilà. Et ça a été adapté au cinéma. Et ça devrait sortir en février. Et ça va sortir au cinéma, surtout. Ouais. En février. Le discours que vous allez voir tout à l'heure et Broadway existe donc en livre audio. Le discours avec la voix d'Alain Chabat et Broadway avec la voix du jeune homme ici présent, Benjamin Laverne. Et voilà, je crois qu'on a vraiment le côté multifacette de Fab Caro a pour corollaire, comme ça, c'est une espèce d'ouverture extra large à la création. Voilà, dans cette palette dont on vient d'évoquer quelques aspects ce soir, ce sont deux de ces extrapolations du livre écrit qui sont à l'honneur, c'est la lecture à haute voix et le cinéma. Fabrice va nous faire une rapide lecture. On est vraiment très heureux d'entendre. On va peut-être entendre la vraie voix du narrateur. Et puis ensuite, on aura un petit échange tous les trois. D'accord. Tu seras peut-être mieux assis, non ? Je me mets là-bas. Une chaise ? Tu te mets là, dans le coin. Là. Bouge pas. On va pas te mettre au coin. Je peux rester à côté si tu veux. Bon, j'espère que ça va être moins un supplice pour vous que ça l'est pour moi. Je vous préviens, je lis super mal et je sais à quel point ça peut être pénible d'écouter quelqu'un lire 10 minutes. Super bande annonce. Donc, je sais pas. Je sais pas si vous avez des bouchons d'oreille ou partez dans vos rêveries. Je vais essayer de faire vite. Alors là, c'est le début, enfin, c'est quasi le début. Je resitue un petit peu. Bon, je vais spoiler un petit peu pour ceux qui restent pour le film et qui ne l'ont pas vu. Bon, trop tard. De ma place, je peux apercevoir le porte-serviette au mur de la cuisine et m'étonne encore d'être traumatisé 30 ans après par ce chef-d'œuvre d'ébénisterie initié par notre professeur de technologie de 6e en guise de cadeau de Noël pour nos parents. Il s'agissait d'élaborer un porte-serviette en forme de sapin à partir d'une planchette rectangulaire. L'exercice avait pour but de nous familiariser avec le tour, la meuleuse, la fraiseuse et autres outils au nom barbare dont l'utilité nous échappait et m'échappe encore aujourd'hui pour tout dire. Nous devions ensuite clouer 3 épingles à linge sur la planchette et le tour était joué, un jeu d'enfant. À ceci près que, très vite, la situation m'échappa et mon sapin se mit à prendre une forme aussi incongrue que périlleuse. J'avais beau tenter de rectifier le tir, scier, meuler, limer, fraiser, rien à faire. J'assistais impuissant à la genèse d'une forme qui prenait vie malgré moi, revendiquait son indépendance avec morgue et rébellion, et je regardais hébété
paniqué, mon porte-serviette de Noël s'éloignait du concept initial de sapin pour se rapprocher lentement mais sûrement de celui de Beat. Plus je m'acharnais à m'en écarter, plus elle se dessinait. Plus je visais le sapin, plus la bite se précisait. À la fin de la séance, ma production provoqua l'hilarité de tous mes camarades et le professeur, n'y voyant qu'une provocation potache, me gratifia d'une retenue. Le 25 décembre, j'offris donc à mes parents une bite en contreplaqué, en guise de cadeau de Noël. Cadeau que ma mère trouva si charmant qu'elle s'empressa de l'accrocher au mur de la cuisine, malgré mes protestations paniquées, interprétées comme de la modestie mal placée. Toute mon adolescence, l'estomac tordu par l'angoisse, je vis ainsi défiler dans la cuisine de mes parents des visiteurs qui ne manquaient jamais de jeter un œil aux porte-serviettes, avec un certain désarroi, bien que, par ce que je suppose être une sorte de savoir-vivre, personne ne fit jamais la moindre allusion. Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête des invités qui découvrent une bite en contreplaqué sur le mur de la cuisine d'un couple de tranquilles septuagénaires ? Quelle explication tangible peut-il y avoir à ce parti pris décoratif ? Chaque fois que je reviens voir mes parents, je tente un furtif et détaché. Depuis le temps, tu pourrais l'enlever cette vieillerie, non ? Et ma mère de répondre invariablement. Non, non, tu l'avais fait avec amour. Il restera là jusqu'à ma mort. Je n'ai jamais su si ma mère était la seule à ne pas voir que le porte-serviette représentait une bite ou si elle avait peur de me blesser en le retirant et avait décidé contre vents et marées d'être du côté de sa progéniture. Telle la mère dont le fils psychopathe a assassiné plusieurs personnes à l'arme de poing et qui s'obstine à défendre la thèse de l'accident. N'importe qui à ma place aurait clos le dossier en une simple phrase. Enfin, maman, tu vois bien que ce truc ressemble à une bite. Enlève ça, voyons. Mais je n'ai jamais entretenu avec mes parents autre chose que des rapports naviguant mollement entre non-dit, consensus, respectueux et acceptation polie. Un non-rapport. Cette volonté de ne jamais faire de vagues pour ne jamais avoir à les surmonter. Schéma que par la suite je ne cesserai de reproduire avec les filles que je croiserai tout au long de mon existence. Et m'apparaît alors ce bilan assez terrifiant que ma vie affective n'aura été au fond qu'une acceptation résignée de bites en contreplaqué sur un mur de cuisine. Ça va ? Ça passe ? Là, c'est pour resituer le... parce que... Ah, c'est embêtant, ça vous dit tout sur le film après. Bon, joli. J'ai besoin d'une pause. Voilà ce qu'elle m'avait annoncé un soir, il y a exactement 38 jours, sans préambule, sans autre explication ni justification. Débrouille-toi avec ça. Elle n'avait pas trouvé nécessaire d'en dire plus, comme si on avait très bien, elle et moi, comme si on savait très bien, elle et moi, ce qui justifiait ce besoin de pause, comme si toute forme d'explication était superflue, car cette pause était l'aboutissement naturel d'un processus qu'on avait perçu tous les deux. Sauf que non, moi je n'avais rien vu venir. La brutalité du message, autant que sa reformulation lapidaire, m'avait giflé. Dans la vraie vie, on ne dit pas « j'ai besoin d'une pause », ça ne se fait pas, ça n'est pas inscrit dans les codes sociaux. Lorsqu'on est invité à un repas, par exemple, on ne se lève pas soudain en disant « j'ai besoin d'une pause ». On ne prend pas son impair dans le vestibule, on ne claque pas la porte sans explication ni justification que j'ai besoin d'une pause. On dit par exemple « Je suis désolé, ma mère a fait un AVC, je suis très inquiet, je dois vous quitter. » Ou bien « Je suis désolé, je suis vegan, je ne supporte pas la vue de ce gigot et de manière générale tout ce qui rappelle la souffrance animale. Ce n'est pas contre vous, je suis hypersensible, excusez-moi. » On ne dit pas « J'ai besoin d'une pause sans rien derrière, sans rien autour. » Pourquoi le couple fut-il dans une passe délicate ne requerrait-il pas les mêmes règles de bienséance qu'un repas chez des amis amateurs de gigots ? Qu'est-ce que j'ai fait pour susciter un besoin de pause aussi pressant et abrupt ? Depuis 38 jours, tourne en boucle une somme d'hypothèses et je me repasse le film de nos derniers mois. À quel moment a-t-elle basculé en mode pause ? Qu'ai-je fait de particulièrement posifère ? Peut-être tout simplement m'être laissé aller à être moi. Peut-être ne faut-il jamais être soi dans l'intimité si l'on veut qu'une relation dure comme au premier jour. Persévérer à exhiber l'appartement témoin contre vents et marées, se contenter de montrer la vitrine. Le jour où l'on ouvre la porte de l'arrière-boutique, on crée un appel d'air et tout s'envole comme un tas de feuilles posées sur un bureau. Voilà, là c'était pour montrer qu'elle faisait une pause. Et dernier passage, ça ira ? Oui. Alors, bon,
Celui-là, je ne voulais pas le lire. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je l'assume à moitié à l'oral. Bon. J'y vais. Un samedi après-midi, elle m'avait amené au parc, jusqu'à ce grand arbre tout au fond. Il s'agit d'un arbre à vœux, m'avait-elle expliqué. Tu vois, les gens écrivent leurs vœux sur un petit papier et le glissent dans un de ces innombrables replis noueux. Elle adorait venir ici pour se recueillir, laisser divaguer ses pensées et faire quelque chose qui ne se fait pas, m'avait-elle dit avec son air malicieux. Elle dépliait les petits papiers, elle les lisait et essayait d'imaginer le profil de celui ou de celle qui pouvait en être à l'origine, avant de les remettre à leur place. Et j'avais pris un air faussement outré, assénant que c'était parfaitement immoral, que des gens l'avaient placé là, dans une intimité qu'il fallait respecter. Elle m'avait fait taire, en avait déplié quelques-uns et me les avait lus. Ensorcelle-toi comme tu m'as ensorcelé. Ou José et moi pour la vie. Ou ne m'oublie jamais mon Titou. Ou de moins beau comme Hugues, je veux te manquer, je veux que tu en chies grave. Et je devais admettre que la sensation d'interdit à l'idée de pénétrer dans les minuscules secrets d'inconnus n'était pas pour me déplaire. On va faire un jeu. On va chacun déplier un papier, un seul. On va le lire à l'autre. Et ce qu'on lui lira sera ce que l'on souhaite pour nous deux. D'accord ? J'avais rechigné quelques secondes, arguant qu'on volait le vœu d'un autre et que ce n'était pas très honnête. Je surjouais le trouble fait pétri de morale pour attiser plus encore son envie de jouer. Alors qu'au fond, j'adorais l'idée. Sonia avait déplié son papier la première et l'avait lu. Regarde-moi toute ta vie comme tu m'as regardé hier soir. Et un silence avait suivi, un silence durant lequel nous avions échangé un long regard chargé de mille choses non formulées. À toi. J'avais déplié le mien et en avait découvert le contenu avec effroi. Je voudrais que Solène se laisse enculer. J'étais tétanisé. Sonia attendait que je lise mon papier, un sourire innocent collé aux lèvres, et je ne pouvais décemment pas lire ça. Pas à ce stade de notre relation, pas à l'entrée de cette parenthèse enchantée où tout est si scintillant, merveilleux, féerique. Quelques mois plus tard, ce serait le genre de situation dont on pourrait rire, sans la moindre gêne. Mais à cet instant précis, une semaine tout juste après notre rencontre, il était hors de question que je réalise une phrase comme « Je voudrais que Solène se laisse enculer ». C'était impensable. Comme elle attendait, pendue à mes lèvres, piaillant des « Alors, alors ?» impatient, j'avais improvisé un je voudrais amener Solène à Rome, auquel elle avait répondu « Oh oui !» Et si elle avait su à quoi réellement elle venait de répondre « Oh oui !» J'avais profité d'une seconde inattention pour glisser discrètement le mot dans ma poche, afin que Sonia n'ait pas la tentation de le lire, conscient que par mon geste, un type se heurterait dans les jours à venir au refus net et catégorique d'une Solène intraitable. À quel moment vient-on à prendre cette décision ? Bon, Solène ne veut pas que je la sodomise, il ne me reste plus qu'à aller glisser un petit papier dans l'arbre à vœux. C'est horrible de lire ça. À l'oral, c'est horrible. Le type aurait mille vœux à formuler. Que le conflit israélo-palestinien prenne fin, sauver la planète de l'inexorable, endiguer la disparition dramatique des espèces. Sais-tu, arbre à vœux, qu'un éléphant disparaît toutes les 20 minutes, victime de la valeur de son ivoire ? À quel moment la priorité d'une vie devient-elle « Je voudrais que Solène se laisse enculer ». Et je m'étais pris, moi aussi, à imaginer le profil de celui qui avait pu laisser un mot pareil. Un grand type, maigre, en survêtement blanc, une sorte de petite sacoche en bandoulière, des baskets rutilantes, avec un bouc et un portable dernier cri. Je voudrais amener Solène à Rome. Pourquoi Rome ? Aucune idée. Depuis cet épisode, j'avais toujours secrètement espéré ne jamais aller à Rome avec Sonia. Il y aurait eu un tel décalage de sous-texte que j'en aurais été mal à l'aise tout le temps du séjour. Pour elle, nous serions là grâce à un joli vœu griffonné sur un morceau de papier quand je n'y aurais vu, moi, que l'ombre d'une sodomie perdue. Pire, je crois que Rome restera jamais associée à ce mot. Le Colisée, sodomie. La basilique Saint-Pierre, sodomie. La fontaine de Trevi, sodomie. Marcello, sodomie. Désolé. Tu l'as fait. C'est pas trop pénible, non ? Merci, Fabrice. Je vais appeler Benjamin. Peut-être reste là, en fait.
Mettez-vous là. Bravo. Tu lis super bien. Mais c'est vrai, je le pense vraiment. Il y a un vrai style qui met en valeur l'humour. Je vais vous poser quelques questions auxquelles vous allez essayer de répondre. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que ça fait de lire à haute voix ton propre texte ? C'est doublement horrible, en fait. Déjà, moi, j'ai du mal avec l'oral, j'ai du mal avec la lecture orale, et en plus, lire son propre texte, et de surcroît des passages un petit peu particuliers, c'est... Je crois que je n'oralise pas. Quand j'écris, je ne l'oralise pas, en fait. J'entends même pas les voix des personnages. C'est directement de la tête à l'écrit. J'ai un rapport plus... je suis plus à l'aise avec l'écrit qu'avec l'oral. L'oral, c'est pas un support qui me va très bien. J'aime pas trop. D'ailleurs, je crois que j'ai commencé à écrire parce que j'aimais pas parler. Je crois qu'il y a un petit peu de ça aussi. Ouais. Mais tu vois, parce que y a des auteurs qui ont besoin de passer au gueuloir, tu vois, comme disait Flaubert, donc de lire pour savoir si ça tient sur la page. Et toi, tu fais pas partie de ces auteurs-là, donc. Non. Je dois être plus visuel. Je crois que j'ai pas besoin de passer par l'oral. Puis en plus. Je lis tellement mal que du coup, j'écrirai jamais. Je me dis, non, ça passe pas. Et donc, il vaut mieux pas que ça passe par l'oral, parce que ça m'empêcherait d'écrire, je crois. Et qu'est-ce que ça fait pour un auteur d'entendre son texte, surtout quand c'est au jeu, comme c'est le cas, dans une autre voix, justement ? Ah, moi, j'adore ça. Bah, surtout que pour le coup, c'est les professionnels, c'est les gens qui savent faire ça. Donc, c'est hyper émouvant, déjà. Et puis, on a l'impression que c'est le... c'est exactement, même si moi je réalise pas, c'est exactement le rythme sur lequel je voulais l'entendre. C'est-à-dire que tu te retrouves, tu te sens pas trahi ? Ah non, du tout, non. Je prends même du... Alors, moi je relis jamais ce que j'écris, je relis jamais mes romans, je relis jamais mes BD. Et là, j'ai pris du plaisir, enfin j'ai redécouvert le texte justement parce que l'oral apportait autre chose. Je me serais jamais amusé à relire le discours ou Broadway, mais le fait de l'écouter... J'avais l'impression que c'était pas moi qui l'avais fait. Je trouvais ça super chouette. J'avais l'impression que je découvrais un texte, en fait. Et ça amène autre chose, je trouve. Et ça, c'est une remarque que j'ai souvent eue, enfin, d'auteurs qui disent j'ai l'impression de découvrir mon texte à travers la voix de quelqu'un d'autre. Mais le découvrir, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre le réinvestit, mais tu te le réappropries, c'est ça, en fait, quand même. Oui, concrètement, alors ça va faire un petit peu honte de dire ça, mais... Quand j'écoutais, que ce soit la version d'Alain Chabat ou de Benjamin, je me suis surpris à rire. Alors, oui, c'est ça. Moi, je ne ris pas de ce que je fais d'habitude. Enfin, c'est un petit peu bizarre de rire de son propre texte. J'écoutais ça dans la voiture, je me rappelle, puis je riais, puis je me disais, mais attends, t'es en train de rire de ton texte, là. Mais en fait, non, pas du tout. Je riais de l'interprétation, ça devient autre chose. Arrête, en fait. Tu riais de ton texte, c'est tout. Assumer. Ouais, non, ça apporte autre chose. Du coup, ouais, c'est pas moi qui l'avais écrit. Donc, Ça te donne une distance, en fait, que tu n'as pas quand tu colles à ton propre texte. C'est particulier aussi d'entendre, je pense, un interprète. Enfin, quand tu parles au jeu, ça doit être différent, j'imagine, que d'entendre le texte dit par quelqu'un quand le narrateur est à la troisième personne. Enfin, c'est plus proche. Je ne sais pas si. Bon, personne n'a vu le film, mais je ne sais pas si tout le monde a lu le livre. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas juste redire un petit peu le pitch du discours en deux mots. Je ne suis pas très fort à ça. Adrien. C'est un repas de famille, en fait. Tout se passe sur un repas de famille. Comme ça, ce n'est pas très sexy dit comme ça, mais toute l'histoire se passe. C'est un repas de famille. Et alors, il y a un double fil rouge, en fait. Au début du repas de famille, son beau-frère demande au personnage principal de faire un discours pour le mariage de sa sœur, enfin de lui et de sa sœur à venir. Et lui, ça le tétanise. Tout le repas, il va être obsédé par ce discours à faire. Et en parallèle, il a envoyé un texto. Alors Sonia, donc, a voulu faire une pause. Il a envoyé un texto à Sonia et tout le repas, il a envoyé le texto juste avant le repas. Je raconte mal, non ? Non, ça va ? Juste avant. Il n'y aura plus personne dans la salle. À la fin, tout le monde aura vu les extraits, le pitch. Il n'y aura plus personne. Juste avant le repas, donc, il a envoyé un texto à Sonia et tout le repas, il attend la réponse du texto. Voilà, en gros, c'est... Il coche toutes les cases de la galère. Quoi. Et en plus, il est assez tourmenté. C'est ça, quand même.
effectivement, pour que ça tienne sur un livre entier, en effet, c'est ça, la richesse de sa personnalité. Et Fabrice, est-ce qu'il y a une différence dans ta manière d'aborder l'écriture d'un roman ou celle d'un BD en termes d'organisation, de structure, de préparation? Je ne parle pas de l'écriture elle-même, mais simplement de la préparation. Oh, préparation, non. Enfin, dans les deux cas, j'improvise, en fait. Je pars de quelque chose de très, très mince, mais dont je sens que je vais pouvoir, dans lequel je sens que je vais pouvoir m'amuser. Et après, j'improvise, que ce soit en BD ou dans le roman. Mais après, le point de départ n'est pas pareil. Le roman, c'est plus une envie d'écriture. Donc, je pars vraiment sur des pitchs qui tiennent sur un post-it. Mais après, c'est l'envie d'écrire. Alors que les BD, c'est peut-être des envies de concept, plus, je pense. C'est des envies de faire une parodie de polar, de parodie de catalogue, jouer avec des codes, de thématiques. C'est surtout des thématiques, en fait. Tu fais pas de plan Non, non, non. Non, je crois que j'aurais peur de m'ennuyer, en fait. La plupart des auteurs en BD passent par l'étape... scénario, crayonné. Moi, dès que j'ai mon idée, je pars et puis je dessine à mesure et j'improvise. Si je faisais un plan, j'aurais peur de m'ennuyer. J'aurais peur d'arriver à la fin du scénario et me dire « Allez, maintenant, il faut s'y mettre. » Et puis de me dire « Bah non, j'ai plus envie. » Donc, ça permet de garder l'excitation. D'improviser comme ça, ça permet de garder l'excitation du début à la fin du projet, je trouve. Que ce soit pour le roman, pour la BD. Tu as une écriture que je trouve... je ne sais pas si on peut dire ça, mais vraiment une écriture d'homme de l'image. Il y a un tel foisonnement de détails. On a l'impression que chaque phrase pourrait être une planche de BD. Enfin, c'est tellement riche. On a l'impression que tu passes d'une écriture à l'autre assez facilement. Enfin, c'est vraiment tes deux modes d'expression. Oui. C'est une remarque, ce n'est pas une question. J'ai lu quelque part... à propos du discours, une expression que j'avais qui m'avait fait rire, que j'avais trouvée assez juste, je ne sais plus qui a écrit ça, de mélancolie hilarante. Est-ce que toi, comme personne, tu te considères comme un mélancolique hilarant? Hilarant, non. Si, je suis hilarant. Non, hilarant, non. Mélancolique, oui, ça, pour le coup, oui, je ne peux pas le dire. C'est sans doute pour ça que tu es hilarant. Je ne sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je passe par l'humour pour pas faire de psy. Enfin, c'est un petit peu court, mais j'ai un fond assez mélancolique. Et je trouve que l'humour et l'absurde, surtout, c'est un truc, c'est le moyen idéal de s'alléger et puis de tout transformer en quelque chose de léger. Oui. Et Benjamin, quand tu as lu le discours pour la première fois, est-ce que, comme moi, tu as été pris d'un espèce de fou rire incoercible et public à la non, lecture? Non, non, non. Non, j'ai ri. Non, mais j'ai pas ri à gorge déployée. Mais en même temps, ça me donne très envie de voir ce qui s'est passé dans ce train. Mais, non, j'étais évidemment sous le charme, mais aussi de la mélancolie qui transpire de cette ironie. C'est pour ça que je dis que tu lis bien. C'est parce que tu n'essayes pas du tout d'être drôle, pas une seconde, et tu as envie. Et je trouve que ça met énormément en valeur la comédie de ton texte. Donc, c'était très sincère quand je disais ça. Moi, j'ai d'abord lu une moitié de scénario. Donc, c'était assez étrange parce qu'en fait, Laurent Tirard est venu vers moi. Il savait que j'étais à la Comédie Française et que j'avais un emploi du temps un peu complexe. Et donc, il voulait... me réserver, entre guillemets. Donc, il m'a donné une moitié de scénario. Et moi, j'ai très vite envie de lire le roman. Je connaissais quelques BD de Fab, mais assez peu, finalement. Zai, 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 zai. Je crois que j'avais lu que ça à l'époque. Et si l'amour s'était aimé. Et donc, je crois que j'ai quand même lu la fin de l'adaptation. Et je me suis précipité sur le roman dans la foulée. Et je me suis régalé. Et puis, je découvrais une langue, un style, un humour aussi bien, bien particulier. Et j'ai été touché très vite en empathie avec ce type qui attend pendant tout un repas de famille, qui est complètement névrosé et qui... Enfin, il ne faut pas juger les personnages, mais là, quand même, il a quelques... Je ne sais pas si c'est un peu toi, ce personnage, mais je ne sais pas si tu es névrosé. Non, mais je veux dire, on peut s'y identifier de plein de manières. C'est ce qui a fait, je pense, aussi le succès du roman. C'est qu'on s'y reconnaît énormément... dans tous les membres de la famille, mais notamment dans son héros. Et oui, non, j'ai ri de bon cœur. Je ne sais pas si c'était de manière sonore ou pas, mais j'étais assez scié de me dire qu'on pouvait en faire un film. Ça me paraissait impossible.
et même casse-gueule en me disant comment... parce que ce que je trouve formidable dans le roman, c'est avec une idée qui peut paraître sympathique, drôle, ce sapin qui se transforme en bite sur le papier, oui, c'est marrant. Mais ce qui est irrésistible, c'est la manière dont il va amener petit à petit l'image de ce sapin se transformant. Et c'est sa prose et c'est son style, en fait. Et c'est ça qui est génial. Et quand on fait une adaptation, on trahit toujours l'auteur. Alors, tu dis que tu te reconnais, tant mieux, il y a l'esprit. Mais c'est toujours une trahison. Et on doit se séparer de cette description. On ne peut pas faire 4 pages de voix off. Et donc, moi, j'avais forcément des petits crève-cœur, notamment en relisant le roman. J'avais envie de rajouter plein de trucs. J'allais faire chier le réalisateur, Laurent, en disant « Tu veux pas rajouter ça ? Tu veux pas rajouter ça ? Ça, c'est bien, mais on fait du cinéma. » On est obligé de se séparer. Et surtout, il faut réinventer. Voilà, ça sera de l'image. Il faut penser au montage, déjà. Donc, c'était passionnant. Et il m'a énormément inclus, Laurent. Il était à l'écoute en tout cas et voilà, je réponds déjà peut-être à d'autres questions. Est-ce que vous avez travaillé ensemble le personnage d'Adrien? Est-ce que vous avez non pas du tout? Non, en fait non. Laurent m'a raconté qu'il avait rencontré Fab, que Fab avait une espèce de grand respect, enfin c'est-à-dire de il est vraiment tranquille le réalisateur, mais je pense que je crois que les réalisateurs, ils sont contents quand les romanciers leur foutent la paix ou les. Justement, Fabrice, tu as pas participé du tout à l'écriture du scénario? Non, du tout. Non, moi j'aime bien l'idée de lâcher le bébé. Moi, j'aime bien l'idée de faire le livre, puis le livre fait sa vie en fonction de qui s'en approprie. Et non, je crois que Laurent m'avait, il m'avait dit, si tu veux intervenir, tu me dis. Mais moi non, tu fais ce que tu veux, tu. Et j'aime bien l'idée d'assister à ça presque en spectateur, en fait. Alors, il m'a envoyé des versions, à mesure, les versions du scénario pour que je... Mais moi, je m'interdisais d'intervenir. Je disais toujours super. Ce n'était pas un retour très constructif. À chaque fois, super. Mais parce que je voulais qu'il fasse son film, en fait. Et donc, vous n'êtes pas rencontrés tous les deux? Non, il y a eu la promesse de dire « Fab va venir sur le tournage ». Ça, c'était l'événement. Parce qu'entre-temps, j'avais relu quelques BD et tout ça. Et puis, il a beaucoup de fans, Fab. Et il y avait une excitation à se dire « À quoi il ressemble ?» Déjà, rien que ça. Et donc, non, il est venu quelques jours, notamment sur toutes les scènes de discours. On a tourné ça dans une salle de concert qui ressemble un peu à une salle des fêtes aussi. Il y a une estrade assez haute. Enfin, vous allez voir si vous restez. Hein. c'est là qu'on s'est rencontrés et j'étais assez ému et flatté. Et puis il est tellement sympa, avenant et bienveillant qu'on se sentait très à l'aise. Et Benjamin, tu es l'interprète dans le film de Adrien. Tu as enregistré Broadway et tu es aussi l'interprète du petit Nicolas. Une autre pépite de l'humour. C'est quoi l'humour dans ta vie d'acteur ou dans ta vie tout court? Question vaste. C'est quoi l'humour dans ma vie d'acteur? Moi, ça me passionne. C'est une science presque. Enfin, pas une science, mais c'est un mystère. C'est une quête. C'est une obsession un peu. Et dès qu'il y a l'occasion... C'est aussi ça, c'est que c'est une promesse d'humour... que ce soit au théâtre, à la Comédie Française ou au cinéma, quand on rit à la lecture d'un scénario ou d'un roman, en l'occurrence c'est rare, enfin, moi j'ai pas souvent joué dans des adaptations, mais c'est une promesse, et donc ils se disent « Oh la vache, il faut que je rende pas service, mais que je sois à la hauteur de cet humour que j'ai lu, que je le rende en le jouant. » Donc c'est un sacré à chaque fois... C'est assez intimidant et très excitant. Et donc, moi, j'adore ça. Ça me passionne, que ce soit au théâtre, sur des langues contemporaines. Et là, je me disais, il faut que je sois à la hauteur du roman. En fait, on se dit, il faut que ça soit drôle. Ce qui n'est pas toujours, d'ailleurs, un très bon réflexe. Mais on a envie de rendre... C'est plus subtil que ça, en fait. Ouais. Et surtout, comme je parlais de ta lecture... Il ne faut pas essayer de dire, c'est là qu'il faut rire. Il faut cultiver une sincérité sans faille. Et c'est là qu'en général, ça fait mouche. Mais ça fout la trouille.
Mais moi, j'adore ça, me dire... D'ailleurs, même en revoyant le film, je me disais, alors, où est-ce que j'aurais pu être plus drôle ? Est-ce que c'est assez drôle ? Mais à la fois, je serais incapable de faire du stand-up, ça me terrifie, je pense. Mais, le livre audio, ouais, en effet, c'est aussi un autre exercice. J'ai la chance d'en faire 3 et Portnoy et son complexe aussi. Ouais, ah bah oui, bien sûr. Aussi. Ouais, Philippe Roth, c'est aussi un autre style d'humour. C'est un autre style d'humour. Ah ouais, non, c'était mon premier livre audio, c'était bien ardu. J'ai bien galéré. Mais C'est vrai que tu as lu aussi Portnoy et son complexe de Philippe Roth. Mais il me reste à vous remercier beaucoup, tous les deux. Merci à vous. Puisqu'on s'apprête maintenant à voir le film. Donc, merci, toi, Fabrice, d'être monté de tes lointaines contrées et d'être présent avec nous ce soir. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci, Paul. Un tout petit détail technique, pour cause de diffusion. On va juste décâbler pour que vous ne preniez pas les pieds et tout ça. Donc, il y aura 5 minutes de pause là maintenant, juste avant que la projection ne commence. Merci à nos trois invités. Merci d'être venus. Merci.